Salut, c'est Anne-Laure Théris. Je te fais une vidéo en direct de Grand Central Station ici à New York pour le cinquième jour du défi. Et donc, comme défi, je te propose aujourd'hui de trouver quelque chose qui va t'étonner, comme ce qu'on a trouvé ici. Donc, on est dans The Whispering Gallery. Avec un superbe accent anglais. Et en fait, cette galerie a quelque chose d'assez particulier. C'est qu'en fait, dès qu'on parle d'un côté des arches, il y a une arche qui est parfaite au niveau symétrie. Et en fait, dès que tu parles d'un côté, tu entends ce que l'autre dit de l'autre côté. Et donc là, on va faire un petit test. Je vais demander... Regarde, Guillaume se trouve ici à l'opposé. Attends, je le cherche. Fais un coucou, Guillaume. Et tu parles un peu plus fort. Je ne sais pas quoi dire. Je suis très heureux d'être sur cette petite vidéo. Je ne sais pas si on entend, mais c'est assez... C'est assez dingue. Je ne sais pas si on entend sur la vidéo, mais en fait, il est en train de me parler. C'est incroyable. Dis ça, c'est incroyable, un peu plus fort, juste pour voir. De quoi? C'est assez génial parce que on s'entend. Tu peux parler un peu plus fort, juste pour voir. Oui, mais comment tu te racontes en fait? Mais ce que tu veux depuis le bout de la galerie. On a un peu l'impression d'être puni, d'être au coin, mais c'est vraiment trop drôle. Donc voilà, exercice du jour et défi pour toi. Je t'invite à trouver quelque chose qui va te sembler juste incroyable et voilà qui éveille chez toi de l'émerveillement. Donc c'est un petit exercice pour remettre un peu de magie dans ton quotidien. Trouve des petites choses comme ça et t'es pas forcé de partir en voyage pour pouvoir découvrir ça. Tu peux le trouver dans ta vie de tous les jours. Il y a plein de choses, que ce soit dans la nature, dans ton quotidien, etc. Je suis sûre que tu vas pouvoir retrouver un petit peu cette magie du quotidien. Donc aujourd'hui, exercice pour toi. Partage-moi dans les commentaires ce que tu as trouvé et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!